Nous sommes absolument d'accord avec l'accord trouvé à Genève. C'est un bon accord, mais tout le monde doit quitter les bâtiments, y compris à Kiev, les camarades Yatsenyuk et Turchinov, qui occupent eux aussi des bâtiments officiels à la suite d'un coup d'État militaire. S'ils le font, nous le ferons aussi. Concernant le désarmement, nos opposants, c'est-à-dire la junte au pouvoir à Kiev, ont déjà commencé à enfreindre l'accord dès hier en disant qu'ils ne feraient pas partir les troupes militaires de Slaviansk et de Kramatorsk. Lavrov n'a pas signé pour nous. Il a signé au nom de la Fédération de Russie.